La délibération 24-2, c'est un rapport dont vous avez été destinataire. Et donc, je donne la parole à notre collègue Odile Morin. Madame Cabanne, plutôt. D'accord. Allez-y, Madame Cabanne. Monsieur le maire, monsieur Alves, chers collègues, nous prenons acte du rapport de la commission accessibilité que nous avons lu attentivement. Ce document est fort utile car il permet d'avoir une vision d'ensemble du traitement de l'accessibilité et de l'inclusion dans notre ville dans divers domaines. L'accessibilité des établissements recevant du public, accessibilité des logements, des commerces, des espaces publics et de la voirie, l'inclusion des enfants en situation de handicap à l'école et dans les activités périscolaires. À la lecture du rapport 2021, nous souhaitons porter l'attention sur 4 points. Premier point, les établissements recevant du public. Rappelons que si une ordonnance de 2014 ratifiée en 2015 n'était pas venue modifier la loi, tous les établissements recevant du public en France auraient dû être accessibles dès 2015, sous peine de sanction. L'ordonnance en question est venue donner un délai supplémentaire de 10 ans pour rendre tous les établissements recevant du public accessibles. Où en sommes-nous dans notre ville ? Il ne reste plus que 3 ans. 3 ans pour mettre aux normes la moitié des établissements recevant du public dans notre territoire. Et nous pouvons craindre, du coup, que l'échéance de 2025 ne soit pas tenue. Notamment parce qu'il est indiqué dans le présent rapport qu'il reste à mettre en accessibilité les bâtiments les plus complexes. Deuxièmement, sur le recensement des logements accessibles, un travail sérieux a été entamé entre 2018 et 2020. Mais depuis, il semble que ce travail ait été abandonné par la mairie et délégué aux bailleurs sociaux. Nous craignons alors de ne pas avoir les éléments nécessaires pour rapprocher l'offre et la demande à Toulouse et avec des niveaux de renseignement inégaux d'un bailleur social à un autre. En outre, il est nécessaire de revoir le cahier des préconisations destinées à assurer l'accessibilité des logements dès la construction qui comprend des erreurs sur le plan technique et juridique. Rappelons que les personnes handicapées font partie des demandeurs qui attendent le plus longtemps un logement, faute d'offres adaptées. Troisième point concerne le label Destination pour tous. Nous considérons qu'il s'agit plutôt d'un outil de communication, mais qui ne reflète pas un état factuel de l'accessibilité et de l'inclusion de la ville, puisque le label est décerné sur la base d'engagements, qui ne sont donc d'engagements que se donne la collectivité dans les 5 ans à venir. Ce label n'est donc pas une garantie pour les personnes handicapées quant à l'accessibilité effective d'une ville, mais une liste de promesses que la collectivité s'engage à remplir. Il est indiqué que la ville de Toulouse a été auditionnée à Paris en vue de l'obtention de ce label, mais sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu le résultat de ce rendez-vous. Dernier point, nous souhaitons ici rappeler une nouvelle fois que lors des travaux, la ville doit vraiment s'assurer de l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et aux piétons à proximité des chantiers, sans qu'ils ne risquent un accident. Il est malheureusement trop souvent constaté de graves manquements en la matière. Je vous remercie. Merci, Madame Morin. Vous m'entendez ? D'accord. Monsieur le Président et Mesdames, Messieurs et chers collègues, je ne reviendrai pas en détail sur ce que j'ai évoqué lors du Conseil de la Métropole concernant le distinguo à faire dans le rapport et dans tout autre document entre organisations gestionnaires de services et d'établissements spécialisés pour personnes handicapées et associations réellement représentatives des personnes directement concernées, et ceci afin de respecter la Convention ONU des droits des personnes handicapées que la France a ratifiée. Pour compléter le propos de ma collègue Hélène Cabanne, il n'est pas acceptable que les chantiers conduits par la métropole, que vous présidez par ailleurs, mettent en danger les Toulousaines et les Toulousains et toutes celles et tous ceux qui circulent, petits et grands, jeunes et moins jeunes, valides ou moins valides. Si la ville et la métropole veulent se présenter comme inclusives, il va vraiment falloir cesser de faire des travaux sur la voirie et l'espace public sans anticipation, à l'économie et sans respecter les règles d'accessibilité et la sécurité. Depuis trop longtemps, les associations de cyclistes, les associations de piétons, les associations de personnes handicapées et plus largement les personnes à mobilité réduite constatent maintenant quasi quotidiennement de nouvelles non-conformités
et des mises en danger des personnes les plus fragilisées, tant sur les nouveaux aménagements que sur les chantiers de la métropole. Je parle de ceux qui se réalisent sur Toulouse notamment. Concernant le chantier du Linéo 10, malgré les alertes associatives, Jean-Luc Moudenc et Jean-Michel Latte ont voulu se contenter de quelques modifications cosmétiques après les ratés du chantier, qui a pourtant révélé de nombreuses non-conformités, alors qu'il fallait anticiper et préempter les emprises nécessaires pour réaliser des aménagements qualitatifs au service de tous et non au détriment des plus fragilisés. Ce qui a obligé l'association handisociale, le 10 décembre, à déposer une requête en annulation pour excès de pouvoir de tous ces aménagements devant le tribunal administratif afin de faire mettre en conformité cette avenue pour que tout le monde y circule en sécurité. Tous les jours, je pourrais vous donner de nouveaux exemples, tant les manquements sont quotidiens, sans aucune réaction de la collectivité. N'attendons pas de nouveaux morts comme le jeune cycliste de la route de l'Onaguet. La ville et la métropole doivent se donner enfin les moyens de contrôle des chantiers avec des agents réellement formés sur l'accessibilité et la sécurité. Je ne comprends pas, là, j'ai pas mis 2 minutes et demie. Je ne sais pas comment vous comptez. Je continue. Donc, je disais que la ville et la métropole doivent se donner enfin les moyens de contrôler les chantiers avec des agents réellement formés sur l'accessibilité et la sécurité, d'arrêter ces chantiers si nécessaire et de sanctionner lourdement les entreprises qui ne respectent pas la charte chantier. De plus, il est totalement inacceptable que quand on vous alerte, ainsi que vos adjoints, sur des dangers, vous ne réagissez pas, donnant à penser que la vie de certains de nos concitoyens ne compte pas, comme si les intérêts économiques et les relations avec certaines entreprises primaient sur tout le reste. La métropole doit cesser de mettre en danger piétons, cyclistes et personnes à mobilité réduite, et le maire doit exercer son pouvoir de police pour garantir la sécurité de tous. Merci. Merci. D'autres souhaits d'intervention ? Donc je vais demander à Christophe Alves de donner des éléments de réponse. Merci, Monsieur le maire, chers collègues. Je ne vais pas répondre sur les interventions de Madame Morin, puisque ce sont les mêmes interventions et les mêmes échanges qu'on a eus en Conseil de la Métropole, tout comme je ne répondrai pas non plus sur la partie logement, puisque ce sont des compétences qui sont pilotées par Toulouse Métropole. Moi, ce que je voudrais dire sur les équipements recevant du public, effectivement, il y a pu avoir du retard, mais qui s'explique. Il y a quand même eu le contexte sanitaire au milieu. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'il va y avoir une accélération. Il y a eu une accélération sur 2022 qu'on va poursuivre en 2023. Et je peux vous assurer, et on se retrouvera ici pour faire le bilan, que l'ensemble des ERP de la ville de Toulouse seront accessibles à la fin de notre période légale 2025. Mais si vous le souhaitez, Madame Roby... non, c'est pas Madame Roby. Madame Cabane, pardon. Non, mon collègue m'a éduqué en erreur à côté. On pourra vous communiquer des chiffres sur l'avancée de l'agenda d'accessibilité programmé. Il n'y a pas de souci. Comme on pourra aussi, et moi je suis prêt à vous le présenter si vous le souhaitez, destination pour tous. C'est pas que de l'affichage. Hein. C'est pas que de la com. C'est quand même 46 fiches d'action portées par les directions métiers de la collectivité, par un certain nombre de partenaires comme l'agence d'attractivité, Tisséo et bien d'autres. Et c'est aussi pas moins de 4 millions d'euros qui ont été cristallisés pour les 46 fiches d'action Destination pour tous, que je ne peux pas détailler ici parce que ça serait très long et très technique. Mais là aussi, je me tiens à votre disposition si vous souhaitez que l'on puisse vous présenter plus en détail ce que c'est réellement Destination pour tous. Je vous remercie. Oui, Madame Cabane. Merci, Monsieur Alves, juste pour être sûr d'avoir bien compris. Destination pour tous, c'est un label qui engage des actions qui vont être faites par la collectivité dans les 5 ans à venir. Mais ça ne donne pas un bilan, un état des lieux à un instant donné, on est bien d'accord. Merci, alors, Monsieur Alves. Excusez-moi, mais je lis en même temps parce que avec le masque, je ne vous entends pas très très bien. Je suis désolé. Madame Anne, s'il vous plaît. Ça ne donne pas un bilan aujourd'hui puisque le label Destination pour tous, qui est un label d'État pour lequel on a reçu la médaille d'or, est très récent.
Donc après, on produira un bilan, effectivement, des actions qui engagent la collectivité sur ces 46 fiches d'action. Mais je vous propose qu'on puisse vous le présenter plus en détail, parce que c'est quand même assez costaud comme label. Merci. Je rappelle que nous sommes engagés depuis plusieurs années, et encore pour plusieurs années, dans un plan extrêmement ambitieux d'adaptation d'équipements publics de la collectivité, mairie, métropole. Pas moins de 700 équipements sont concernés, et c'est un budget total de plus de 50 millions d'euros. Donc, vous le voyez, c'est quelque chose de prioritaire. C'est important pour nous de rendre la ville plus inclusive et de soutenir le rythme. Et je remercie là aussi mon collègue pour le travail qui est le sien, mais également les services, à la fois le service domaine du handicap, mais aussi les services techniques de l'architecture qui s'y sont investis à un niveau considérable qu'ils n'avaient pas connu jusqu'ici. Voilà, donc nous continuons sur cette dynamique solidaire et sur cette lancée. Donc je vais mettre aux voix la prise d'acte du rapport qui vient de vous être présenté, en indiquant que notre collègue Fela Alas déporte et ne participe pas au vote. Y a-t-il d'autres non-participations ? Abstention ? Vote contre ? Donc, nous prenons acte de ce rapport.